Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Les amis, moi ça va nickel, merci de demander. Comme d'habitude, hein, vraiment, je vous remercie, même si vous ne me demandez jamais comment je vais, hein, très bien. Non mais vraiment, non mais franchement, moi je trouve ça pas vraiment gentil de votre part. Franchement, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de le dire. J'avais envie de le placer, mais comme ça, voilà. Mais bon, cela dit, j'espère que vous allez très bien. Et on se retrouve aujourd'hui, les amis, ce mardi, pour le 10e épisode de la carrière des abonnés version 4 avec le Bayern de Munich. Oui, j'ai failli dire Borussia Dortmund, on n'était pas loin, mais ça se ressemble, ça commence par la même lettre, et à un moment donné, c'est normal que mon esprit dit vague. Vague. Non, c'est mon esprit qui est censé dire vague, pas moi. Si on commence direct avec une vanne de merde, on n'est pas sorti de l'auberge, les amis, bref. Au programme aujourd'hui de cet épisode, les amis, on va arrêter de spammer, les amis. Il faut pas... Non, parce qu'il y a des fois, Alors, on va partir sur un truc, les amis, c'est important. Vous me connaissez depuis certains depuis un petit moment maintenant, et vous avez très bien remarqué que parfois, on ne sait pas pourquoi, je vais spammer le mot évidemment, je vais spammer le mot les amis, parfois c'est les copains, et pendant tout l'épisode, souvent, ben, je reste focus sur un seul mot. Pourquoi? J'en ai absolument aucune idée, donc ben, écoutez, je suis désolé, mais vous voyez que des fois ça change, hein, des fois je spamme d'autres mots, et des fois j'invente des mots, tout va bien. Bon, après voilà, c'est la personnalité de chacun, j'ai envie de dire, hein. On a tous une personnalité, moi elle est vraiment très chelou, mais voilà, cela dit, c'est comme ça. Bref, on y va. Pour le programme de l'épisode, on aura donc Wolfsburg, on aura donc le Rasenball Leipzig en championnat, et on finira par match de Pokal face à Francfort, donc ça va être très intéressant aussi comme épisode. Évidemment, l'épisode prochain, hey, les amis, ça sera le 8e de finale, aller face à l'Inter, ça va être très intéressant. Également, avant évidemment de commencer par répondre à vos commentaires, je tiens tout simplement à vous inviter, à nous inviter les amis très cordialement sur mon serveur Discord, le lien est en description, n'hésitez pas à venir, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, franchement c'est plutôt sympathique, vous pouvez partir quand vous voulez, franchement je vous en voudrais même pas, parce que parfois ça peut être un peu chiant quand t'as trop de notifs, etc. Après vous pouvez mettre sur rendre muet un salon, hein, si ça vous saoule, les amis, vous n'hésitez pas à le faire. Bref, en tout cas franchement n'hésitez pas à venir, on s'amuse plutôt bien, on fait des petits vocaux qui partent en couille assez vite dans la soirée, on va pas se mentir, mais cela dit, c'est quand même plutôt cool, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, voilà, il y a quelques joueurs du Bayern, quelques joueurs de Dortmund, et même si vous n'êtes pas de la carrière du tout les amis et que vous voulez me rejoindre sur le serveur Discord, n'hésitez pas, le lien est en description. Il y a également tous mes autres réseaux comme Twitch notamment, Twitch c'est pas vraiment un réseau social mais on a compris l'idée, et bien sûr Instagram, donc n'hésitez pas à aller me follow là-dessus. Et puis les amis, bah écoutez, voilà, on se met plutôt pas mal. On va tout de suite commencer avec la réponse à vos commentaires. Évidemment, on va commencer par les titularisations. Vous étiez 3 les amis à vouloir jouer ce match face à Wolfsburg, Mathieu Bistouf, Nicolas et Maxenko Olimpico. Maxenko Olimpico qui m'a également demandé de jouer face à Francfort. Donc, écoutez, de toute façon, on devrait pouvoir faire ça. Je tiens en compte, évidemment, de ce que vous me demandez. Il est logique, les amis, que même si vous commentez et que vous ne me demandez pas de jouer certains matchs, voilà, je vous ferai jouer quand même, hein, je vous le rappelle quand même, c'est important. Mais c'est vrai que si vous voulez jouer des matchs en particulier, c'est important de me le demander, comme ça, moi, au moins, ça m'empêche de trop cogiter sur les compositions d'équipe. Donc, n'hésitez pas à me proposer encore des matchs que vous voulez jouer. Sans abuser, évidemment. Voilà, au niveau des défis, les amis, toujours ici la petite note qui est là avec des défis qu'on a quand même beaucoup de mal à réaliser. Il y en a vraiment un qu'on risque de réussir, ça sera le défi Roroman, hein, parce que notre chère Roro nationale, Roro qui d'ailleurs est modératrice, hein, dans le serveur Discord, voilà, donc elle est là pour vous tège si vous faites chier, ou vous faire des gros câlins si vous êtes gentil, voilà. Eh oui, Roro fait des câlins. En tout cas, n'hésitez pas, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, mais ça j'ai déjà dit, donc on va se calmer. Mais par contre, voilà, c'est vraiment un défi qui est censé vraiment pouvoir être réalisé. Il nous reste que 15 buts à marquer avec Roman ou avec Roro pour aller remporter ce défi. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, alors je vais rebondir sur un commentaire qui m'a été dit et je rebondirai également demain sur la carrière avec Dortmund là-dessus. C'est concernant les musiques au cas où on marquait des buts à domicile. Bon, c'était pas exactement le sens de ton commentaire, Liam Armstrong, c'était pas exactement ça ton commentaire, mais moi je vais le modifier un peu comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on ait une musique spéciale quand on marque des buts à domicile, ça pourrait être plutôt pas mal. Donc moi ce que je vous propose, c'est de vous inviter du coup, parce que tout va se passer sur Discord les amis, à me rejoindre sur Discord évidemment, et à me proposer pourquoi pas des petites musiques qu'on pourrait mettre pendant les buts. Attention au niveau des musiques, évidemment, il va falloir que ce soit des musiques libres de droit. C'est extrêmement important, sinon je ne peux pas mettre la vidéo sur YouTube. C'est pas possible, surtout je ne peux pas la monétiser. Les pépettes, les amis, les pépettes, c'est important aussi. Donc voilà, surtout évitez de me donner des musiques qui sont des musiques connues. Si vous connaissez des musiques libres de droit que vous aimeriez bien entendre à chaque but au Bayern,
Ah ben écoutez, allez-y, n'hésitez pas à me les proposer, allez dans le Discord et puis on peut en discuter, il n'y a pas de soucis là-dessus. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je regarde mon petit calepin, j'ai tout dit. On va pouvoir y aller pour le premier match face à Wolfsburg et on se retrouve tout de suite pour la composition d'équipe. Allez les amis, voici la composition d'équipe qui va venir affronter Wolfsburg dans ce championnat. On aura donc Roman en pointe, Bistouf, donc titulaire évidemment, aux côtés de Maxence Olympico, titulaire toujours. Kylian Roland, Ryan et Roro du coup seront là au milieu de terrain. On aura Pipouni Moxi à gauche, Nicolas qui m'a demandé de jouer à droite. Tonnoir et Cruchet en charnière centrale et Ganil dans les buts simplement. Estrada, Kenan, Mezwar, Bloqué, Armstrong, Foray et Lloris seront sur le banc. Et on notera que pour une fois, j'ai pensé au capitana. Et c'est bien Kylian Roland qui sera capitaine de ce match. On a encore eu de la chance les amis, cette fois j'ai réussi. Là, franchement, je suis assez content. On va pas se mentir, je suis très content d'y avoir pensé. Pas sûr que ça arrive encore. Je ne garantis rien. On y va pour ce match, les amis. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le plus gros pouce bleu que vous avez en stock. Évidemment, pour la dixième vidéo de cette carrière, n'hésitez pas à le faire. Vraiment, ça va être extrêmement important. Merci en tout cas de votre soutien. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Il y en a quelques-uns hein, qui sont là depuis 9 épisodes. Ils sont au taquet, il y en a certains qui reviennent aussi et qui sont là de temps en temps. Voilà, mais vraiment merci beaucoup de regarder ces vidéos. Merci beaucoup, j'espère vraiment qu'elles vous plaisent. Et j'espère faire vraiment un travail qui vous plaît également. Voilà, j'espère que mes bégaiements ne vous cassent pas trop les couilles les amis. Mais bon, moi ça me casse les couilles, mais bon, vous, j'espère que non, évidemment. On y va pour ce match les amis, c'est parti. Bon, je me recoiffe les amis parce que, putain, je sors du boulot, rien ne va plus. Ah non, mais là je vous jure, en plus on est samedi, hein. Le jour où je tourne la vidéo, je tiens à vous le préciser quand même. Voilà, on est samedi. Si jamais il y a des commentaires ce week-end et que j'ai pas eu le temps de les voir, j'en suis désolé, évidemment. Mais voilà, on est samedi parce que j'ai pas le choix, en fait, j'ai un gros week-end. Et du coup, ouais, parce que là, comme certains le savent, je travaille dans un magasin où il y a des vêtements, notamment, et on a réouvert à partir de mercredi dernier. Et clairement, c'était la folie aujourd'hui. Bref, non, je suis pas fatigué, mais on a bien couru, donc je suis décoiffé, oui, je bosse, je cours quand je bosse, les amis, évidemment. Évidemment, je vous invite à venir me voir, les amis. Stokomanie, La Roche-sur-Yon, les amis, venez me voir. Mais franchement, j'ai vraiment dit ça. Bon. Bon, écoutez, venez me voir. Hein. Pour rigoler. Pourquoi pas. Parce que moi aussi, je peux vous donner des défis, les amis. Hein. Moi aussi, je peux vous donner des défis. Il faut le savoir, hein. C'est extrêmement important. Hein. Parce que vous me donnez des défis. Eh. Mais moi aussi, je peux vous en donner. Moi, je vous mets au défi de venir me voir à Stokomanie, La Roche-sur-Yon. Ha. C'est moins drôle, là. Ah, on rigole moins, là. Hein. Et sinon, vous jouez plus jusqu'à la fin. Voilà. Bah, c'est comme ça. Celui qui vient me voir, il est titulaire jusqu'à la fin de l'épisode. Jusqu'à la fin de la carrière. Voilà. Celui ou celle qui vient me voir. Sauf Roro, parce que Roro l'habite à côté, donc ça compte pas. Ah ouais, non, mais ça va, tu vas pas m'avoir comme ça, toi. Hein. Voilà. Mais pour le reste, allez-y. Allez, je viens de dire de la merde. On y va pour ce match. C'est parti. Bonjour Roman, en deux temps. Oh Roman, oh là 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 là. Oh, puis là, l'esprit de l'équipe. Alors, c'était Roro, mais c'est incroyable! C'est exceptionnel! Oh, aïe 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 aïe. L'action, l'occasion, c'est pas possible! Qu'est-ce qui s'est passé sur cette action? J'ai même pas compris. Hein. Là, la passe en retrait était pas bonne, je ne sais pas. Ah, c'est dommage, hein. Mais c'était Roro qui avait fait cette action-là. C'était hallucinant, quand même, disons. Je sais pas ce qui lui arrive à la bouffée du lion. Oh oui, magnifique, et Roman, pour Roro, et l'accélération de Roro, tout à l'heure elle avait fait une passe, c'était pas la bonne solution, cette fois elle frappe et c'est peut-être pas la bonne non plus, aïe aïe aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant on fait pas les bons choix, oh là 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 là, ce qu'elle vient de faire Roro, mais pourquoi elle fait la moitié du boulot à chaque fois? Mais faut m'expliquer, hein, elle s'arrête à un moment donné, elle dit non, oh. Oh le but! Et il est mignon, hein! Et il est mignon ce petit but de Kylian Roland! Oh ben moi j'aime bien! Ah non mais j'aime bien! Une petite frappe en douceur en pleine lucarne, comme ça, tu y vas doucement, mollo! Ah non j'aime bien! Ah non j'aime bien! Ah mais Roro par contre, des fois, hein! Bizarre, hein! Mais petite frappe en douceur! Ça fait plaisir! Pile au point de pénalty, cette frappe, nickel. Bon, bah ça fait 1-0, les amis. 1-0 pour le Bayern, c'est mérité, même si... Bon, faudrait mieux faire quand même, parce que 40e minute de jeu, alors qu'on domine le match, c'est quand même... Hein ?
faut bien qu'on sorte un peu les doigts du cul quand même. Hein? Non, mais on va pas se mentir. Aéro. Peut-être le décalage là-bas pour Bistouf. En une touche, ça peut être intéressant si le ballon est pas mal donné. Oh, il est bien fait. Oh, quel but! Quel but de Tonnoir! Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il foutait là? Mais qu'est-ce qu'il foutait là, Tonnoir? Quel centre magnifique de Mathieu Bistouf pour Tonnoir qui avait fait l'effort au deuxième poteau. Incroyable! Incroyable, parce que là, franchement, en plus, encore une fois, Tonnoir, je lui ai pas demandé de monter. Hein. Je lui ai pas demandé de monter. Il est monté tout seul comme un grand. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Très jolie, très très jolie tête. Ah non, là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, et ça fait donc 2 à 0. On est à la 58e. Eh bien, écoutez, on va faire les changements. Bon, on fait un peu tôt. Peut-être que dans un autre match, on les fera un peu plus tard. Je ne sais pas. On va faire rentrer Everton Estrada à la place de Roman en pointe. On va les faire rentrer Armstrong, évidemment, à la place de Ryan. Et Lilian bloqué, mais oui, Lilian bloqué à la place. Eh bien, écoutez, à la place de Maxenko ou pas? Ouais, à la place de Maxenko. Et là, Roro va dire, comment ça, tu me sors pas? C'est normal? Oui, c'est, des fois, ça... Des fois, je suis pas obligé de te sortir à chaque fois non plus, je veux dire. Enfin, voilà. Je respecte aussi, des fois. Ça m'arrive. Bon, bah, ça fait 2-0. Et ça veut pas dire que je ne respecte pas ce que je sors, évidemment. Non, parce que là, je vous vois venir, sinon. Mais il faut sortir, hein. Oh, le sauvetage d'Armstrong incroyable. Ah, j'ai rien dit. Mais alors là, quel sauvetage. Ce Gani, il était parti aux fraises, là. J'ai pas compris sur ce coup franc. Il aurait dû sortir, il l'a pas fait. Et là, Armstrong, il vient sauver. Mais alors... Ah, mais alors, c'est magnifique. Hein. Quel sauvetage, vraiment. Incroyable. Incroyable. Ah, non, mais je suis vraiment sur le cul, là. Vraiment sur le cul. Allez, pourquoi pas. Une petite contre-attaque, ça peut être sympathique. Oh, Lyon bloqué, le petit contrôle derrière la jambe d'appui, c'est pas mal. Avec Bistouf, pourquoi pas, qui va chercher une solution, il va attendre. Il y a le déplacement de Roro qui est là, parfait. Roro, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Roro, allez, la petite danse. Venez danser avec Roro, les amis, mais oui, venez danser avec Roro. Et Everton Estrada, Lilian bloqué, et Mathieu Bistouf, évidemment, sont là. Et je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Alors Roro, en ce moment, elle est en feu. Hein. Elle est en feu et ça me fait chier parce que je peux pas la critiquer pour le coup. Donc ça m'emmerde. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Non mais tu choisis pas, hein. Tu choisis pas évidemment. On met 3-0. Le copain, c'est plutôt cool. Oh oui, oh ça c'est bien fait. Allez, là il faut suivre. Mais faut suivre, allez. Oh non, mais c'est pas possible. Mais franchement, mais les gars, mais comment tu veux qu'on s'en sorte? Comment tu veux qu'on... J'en peux plus, quoi. Mais on était à deux doigts encore de faire une passe décisive avec Nicolas, et ben non. Non, ben non, Everton Estrada, il a dit non, ce ballon, je le mettrai sur la barre. Non, mais c'est pas possible. Toujours plus. Et défendez, les gars. Mais non, mais c'est pas vrai. Oh. Oh là 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 là. Mais faut défendre un petit peu, les gars. Mais vous êtes 3 contre 1, là, sérieusement. Oh non, 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 c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, 3 buts à 1. Non, j'aime pas ce genre de but. C'est... On fait n'importe quoi, c'est nul. C'est pourri. Sérieux, franchement, on se prend un but vraiment... Mais c'est gratos, quoi. C'est vraiment gratos, quoi. Franchement, ça me saoule. Allez, Everton Estrada, dernière action du match. Mieux bloqué, pourquoi pas la patate, et ça passera à côté. Il n'y avait pas faute non plus. 3 buts à 1, score final. Oh, ce but, il me fatigue. J'aime pas terminer sur un but de merde comme ça. C'est pas possible. Bref, on est quand même content parce que voilà, on remporte les 3 points et puis on les mérite. Hein. On les mérite vraiment. 9-6 pour Roro encore en termes de notes. Hein, c'est quand même pas dégueulasse. Je pense qu'elle sera d'ailleurs ballon du match au passage. Comme quoi tout arrive. Mais c'est plutôt sympa. Plutôt sympa quand même. Bon, après, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve que c'était un match intéressant. On a fait vraiment de belles choses. On essaie de construire des actions, et puis voilà, après, ce but, il est toujours un peu embêtant, mais c'est pas très grave. Bon, bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour le prochain match face à Leipzig. Allez, voici l'équipe, les amis, qui va venir affronter Leipzig. On essaie de garder comme une équipe assez forte, ça pourrait être bien. Everton Estrada en pointe, Roman, du coup, qui sera basculé au milieu de terrain offensif
aux côtés de Kenan, donc c'est une attaque quand même assez puissante, on va pas se mentir. Lilian Bloqué sera bien là pour contrer les offensives adverses au milieu de terrain. Kylian Roland toujours ici, Mezwar remplacera Roro sur le côté gauche, mais sinon on gardera quasiment l'équipe type. On a juste remplacé Forway par, remplacé Tonnoir par Forway, pardon, aux côtés donc de Cruchet, Nemoxy et Nicolas. Gagné sera toujours dans les buts. Super Mouetoun, Otnien, Ryan, Armstrong, Maxime Colimpico, Tonnoir et Loris seront sur le banc. J'ai vraiment fait reposer certains joueurs hein, comme Roro et Bistouf, qui seront certainement là pour le prochain match. Mais voilà, je voulais quand même qu'ils soient reposés. Ça va être important aussi d'avoir des bons joueurs hein, pour la Pokal, on verra bien. On y va pour ce match les amis, c'est parti. Allez c'est parti les amis, on est à la Red Bull Arena de Leipzig aujourd'hui hein, pour affronter cette équipe. Ça va être un match compliqué, Leipzig ils sont bien placés je crois. Hein. Ils doivent être 4e ou 3e. Voilà, à noter quand même, je ne voulais pas montrer, mais Dortmund a bien gagné son match. Ils sont donc toujours 2 points devant nous. On va surveiller, hein. On va surveiller ce qu'ils font évidemment parce que il va falloir compter sur un faux pas. Ou en tout cas, nous, tout gagner, y compris le match retour face à eux. Ça va être compliqué quand même, hein, pas se mentir. Mais on va essayer de faire notre maximum pour y arriver. On y va pour ce match, les amis. C'est parti. Oh, bien joué. Magnifique forway. Magnifique. Et c'est Kylian Roland qui récupère ce ballon. Et là, ça peut aller évidemment très très vite. Avec Lookman Mezwar. Lookman Mezwar, mais que fais-tu? Pourquoi cette passe-là? Elle était inutile. Pardon. Oui, je chante des fois, ça m'arrive. Pour ceux qui... Oh là, attention. Allez, sauve-moi cette putain de balle. Punaise. En plus, je vais être obligé de laisser le moment où je chante, quoi. Sérieux, toujours plus. Ah, dans ma tête, je me suis dit, bon, c'est cool, je vais peut-être pouvoir couper ce moment. Eh bien non, parce qu'il marque derrière. Oh, punaise. Fais chier, tiens. Je ne sais pas ce qui me fait plus chier. Est-ce que c'est de mettre le moment où je chante, ou est-ce que c'est simplement de se prendre un but? Je ne sais plus. Ce que j'allais dire pour ceux qui ont suivi quelques lives avec le frérot Boam. Voilà, je chante de temps à autre. Ça m'arrive de chanter en live de temps en temps. Ce mec est un peu taré. Bref, ça fait 1-0. Faute. Oh la faute là sur bloqué. Ça fait 1-0. À 10ème minute de jeu, ça va très vite. C'est un peu dommage. Mais on va tout faire dans ce match. On sait qu'on en est capable. En plus, ça partait vraiment d'une récupération de balle quand même assez intéressante de Forway. Pas forcément mérité non plus, hein, pour Leipzig, franchement, on peut faire beaucoup mieux. Oh oui, la récupération exceptionnelle de Lilian Bloqué sur ce dégagement complètement claqué au sol de Leipzig, hein, évidemment. Non mais là, n'importe quoi. Mais magnifique, mais quel magnifique. Magnifique interception, puis derrière, Everton Estrada, que dire de cette frappe d'Everton Estrada, sublime, tout en en première attention, tout ça, ça va très très bien, parfait, un but partout, on égalise, ça fait du bien, parce que je le sentais quand même, je le sens moyen ce match, donc ça fait quand même du bien au moins de venir égaliser. Non mais, toujours plus Roman. Allez les gars, mais là faut faire un truc hein. Allez la Méganil, tu fais un truc. Oh putain, vous allez me casser les couilles. La relance. Les gars, oh. Non mais faut le dire si vous voulez pas gagner le match en fait hein. Vous avez juste à me le dire hein. Oh là, franchement des fois je panique hein. Là c'est pas normal. Aujourd'hui je sais pas ce qui se passe dans ce match. J'en suis décoiffé. Rien ne va plus. C'est très bizarre, ce match, j'aimerais, franchement, je serais curieux de voir les stats, parce que franchement, je ne comprends pas trop ce qui se passe, on n'arrive vraiment à rien. On n'a pas le ballon, quoi. Et non, mais on est dominé de toutes parts. Là, franchement, on prend l'eau par tous les bouts. C'est un peu n'importe quoi. Je vais faire juste un changement, mais pas de joueur, un changement de position. Je vais mettre Everton Estrada un peu plus bas et Roman plus haut, parce que Roman, défensivement, c'est catastrophique. Et comme c'est un poste reculé, elle est très souvent en défense. Donc je préfère vraiment la mettre un peu plus haut, parce que là, c'est assez catastrophique quand même. Bien joué. Allez, Alors là, ce qui m'agace, c'est qu'en fait, j'ai un joueur, j'essaie de le changer, mais vous voyez, j'avais Everton Estrada. Je contrôlais Everton Estrada. Mais pourquoi? Pourquoi ils me foutent Everton Estrada en contrôle? C'est pas, je voulais Uber Cruchet à ce moment-là, j'aurais dégagé le ballon, tout allait bien. Quoique, voilà, c'est n'importe quoi. Ce match, c'est n'importe quoi.
Vraiment, là, on est en train de se faire vraiment dominer. Je commence à avoir très peur. Je commence à avoir très peur. Allez, les gars. On se réveille. Bien joué, Pipou. Bien joué, Pipou. Il va falloir vraiment qu'on se réveille. Hein. Il va falloir vraiment qu'on se réveille. Ah non, mais les passes, quoi. Putain, mais limite, tu te fais la passe à toi-même, en fait, Lookman Mesoir, là, en fait. C'est ça, le délire. C'est hallucinant. J'ai même plus de mots. Hein. Franchement, j'ai plus de mots. Ce match, il est minable. Il est minable, vraiment. Je pourrais dire beaucoup de choses, mais là, il est minable. Le ballon sort pas, hein. Je vous précise quand même que le ballon ne sort pas. Hein. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de remplacement. Mais les passes, bordel de cul. C'est pas possible. Oh, il y a rien qui va, là. Avec Kenan pour Roman. Ah, franchement... En vrai, non, on mérite rien dans ce match. Je sais pas, non, je sauterai pas de joie, on mérite rien dans ce match. On joue comme des merdes. Vous voyez, il est 74 minutes de jeu, c'est-à-dire que là, clairement, j'ai même pas eu le temps de faire les remplacements, le ballon ne sortait pas, il y avait rien, les passes n'étaient pas assurées. C'est minable. Vraiment, je suis désolé, là, mais... On montre absolument rien, on montre vraiment rien. Qu'est-ce que je fais en changement? Du coup, je suis totalement perdu. Je voulais faire entrer Otnien dans ce match. On va le faire rentrer, du coup. À la place de Kylian Roland, ça va le faire souffler pour le prochain match. Ça va être plutôt cool. On va faire entrer Armstrong également. À la place de Lilian bloqué pour qu'il souffle. Et on va faire rentrer Ryan. On va faire rentrer Ryan à la place de... Everton Estrada, parce que c'est plus fatigué. Donc voilà, on va faire ça. Non, vraiment, je vous jure, c'est un match... Je sais pas. Non, je n'ai pas de mots. Pas de qualificatif. Je ne trouverai pas. Ah, c'est bien fait, ça, par contre, à part de Pogba Edouard. C'est peut-être l'un des seuls mouvements intéressants du match. Hein. Ça va finir par un but. Ça va finir par un but, le doublé de Roman. J'aurais vraiment beaucoup, beaucoup de mal à exulter. Hein. Je vais être honnête avec vous. Hein. Franchement, on est en train de retomber dans nos travers, là. À ne pas assurer nos passes. Là, c'est vraiment la seule action. Après, le... On va noter hein, quand même le très très beau geste de Roman quand même. Le petit ballon là, juste un tout petit peu touché pour aller battre Gulacsi, c'est magnifique. Mais ah mais je suis choqué. Je suis choqué du match, hein, vraiment. Franchement, comment vous le décrire? Parce que vous aurez pas forcément vu, vous aurez vu certaines actions, mais pas tout. Mais enfin, toutes les passes, il n'y a aucune passe qui était assurée. Défensivement... On n'arrivait pas à se relancer et pourtant on faisait de la bonne défense. Gani, il a fait un excellent match, il nous a sauvés. Hein. Gani nous a sauvés. Hein. Gani nous a sauvés pour être très honnête parce que franchement, sans lui, vous voyez, Leipzig a eu quand même 6 tirs, 5 cadrés. Donc Gani, il a été là, heureusement. Mais nous, voilà, 3 tirs cadrés, 3 buts. Je pense que c'est assez éloquent quand même. Voilà, il s'est rien passé dans ce match. Dortmund a encore gagné. Voilà. Alors, il manquerait plus que sur un match comme ça, on passe devant eux, quoi. Et franchement, ça serait grand scandale. Hein. Aujourd'hui, je pense que vraiment, on aurait pu perdre. Et je dirais même qu'on aurait dû perdre. Hein, mais bon, les 3 points sont là. On va dire que c'est l'important. On va essayer d'oublier ce match un petit peu et se concentrer sur le prochain match, qui sera le match de Pokal face à Francfort. On se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, les amis, pour ce match face à Francfort. Et voici la composition d'équipe. Mamat, évidemment, dans les cages pour un match de coupe. C'est logique. Tenoir et Cruche en charnière centrale, ça ne changera pas. Nemoxy et Nicolas. Pareil, on garde l'équipe, évidemment, défensivement. On va mettre Lilian bloqué, toujours au milieu de terrain défensif. On aura Kylian Roland à droite, Roro à gauche, Ryan et Maxence Olympique au milieu de terrain offensif, et Roman devant, et j'ai failli l'oublier, mais Kylian Roland prendra le capitana pour ce match, vous l'avez vu, sur le banc, j'y retourne pour vous le montrer. Il y aura Everton Estrada, Super Mouetoun, Otnien, Bistouf, Armstrong, Foray et Loris. C'est parti! Oui. On se calme. Oh non, averse de neige. Oh putain, il neige. J'aime pas la neige. On va rien voir en plus. Allez, c'est parti les amis pour ce match de Pokal face à Francfort. Et comme vous le voyez, il neige aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Et j'ai pas changé le ballon. Bon, après, il y a un peu de rose dessus, ça va peut-être le faire. J'espère que ça va le faire. J'espère que vous verrez des choses, les amis, évidemment. Ah, j'aime pas quand il neige. Je déteste ça. Alors en termes de gameplay, de vision pour vous, c'est immonde. Mais bon, oh non, ça a l'air d'aller, hein, je trouve. Ouais, ça va le faire. On va voir le ballon, je pense. Il n'y a pas de... S'il neige pas plus, ça devrait le faire. Bon, ce match qui va être compliqué. Roro, magnifique. Ballon pour
Ryan, et ouais, évidemment pour Roro, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, elle loupe son duel, ou c'est plutôt Kevin Trapp qui remporte son duel, parce que là, Roro, elle est on fire, elle est on fire. Et le corner à suivre, et ça sera un autre corner, cette fois on va faire tirer Nicolas. Faut faire tirer Nico, c'est important parce qu'il faut qu'il ait des passes décisives, et là on faut qu'on en fasse deux aujourd'hui, ça va être important. Allez, ouais, non, il est bien tiré, mais il y a mieux quand même. Hein. Et Roro. Roro, je sais pas, des fois elle a des fulgurances, je sais pas si cette balle passe loin. Ah oui, elle passe loin, mais l'idée était quand même là. Oh là 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 là, le risque pris incroyable par Lilian bloqué, parce que là, s'il faisait faute, ça faisait carton rouge, et c'est le but derrière de Roman, troisième but dans cet épisode pour Roman, et je vais le dire pour faire plaisir à une personne qui m'a demandé de le faire, mais je ne peux pas mettre la musique, no Roman, no cry, évidemment, non mais c'est cadeau, évidemment. Ah oui, non mais clairement, il fallait le dire, il fallait le faire. Mais oui, non, je ne peux pas mettre la musique, mais j'aimerais bien mettre cette musique, évidemment, à chaque but de Roman, mais non, on ne peut pas. Ah non, question de droit, les amis, eh bien oui, les pépettes. Hein, non, évidemment, les amis, évidemment. Bref, troisième but en pokal pour Roman 1-0, c'est mérité au vu du match. Ça a été très compliqué quand même, hein, mais on est bien meilleur. Ouais, c'est à la mi-temps, les amis, c'est à la mi-temps. Un match maîtrisé à peu près quand même. Bah, mieux que le dernier match, on va dire. Mieux que le dernier match, c'était pas facile non plus, mais c'est mieux. On arrive au moins à être un peu plus dangereux, hein, on voit quand même, hein, on a la balle et on a les occasions. Tout va bien. Pas toujours très très précis, c'est ce qui est un peu problématique. Mais ça va, et on se fait peur, c'est aussi ce qui va pas très bien, mais bon. Tant qu'il marque pas, moi, ça me va. Roman, elle y va franco, hein. Non, mais des fois, Roro, faut pas la faire chier. Oui, bon, oui, Roman, Roro, vous savez très bien, vous avez bien compris. Enfin, comment elle pourrait s'appeler, sinon, à part Roro, qu'est-ce qu'on a? On a Roland. Non, mais Roland, non, c'est pas un prénom. Si elle s'appelait pas Roro... Enfin, si Roro ne s'appelait pas Roman, vous m'avez compris. Vous avez compris? Non, parce que je suis pas sûr que ce soit limpide, ce que je viens de dire. Remplacement, les amis? Remplacement à la 60e minute de jeu, évidemment. Alors, j'ai envie de faire rentrer Super Mouetoun, quand même aujourd'hui, à la place de Roman. On va faire rentrer Armstrong, évidemment. À la place de qui? Téléla, question. On va faire rentrer à la place de Ryan, ça peut faire plaisir. Et puis Bistouf, qu'on va faire rentrer à la place de Roro, qui vient quand même, hein, de faire un tacle bien dégueulasse. Voilà, on va la calmer tout de suite. Elle a fait un bon match quand même, hein, franchement. Roro a fait un bel épisode, encore une fois. Je pense qu'on est... ça fait assez mal au cul de le dire comme ça, mais malheureusement, il faut le dire. Hein. Et non, mais c'est important. Hein. C'est important. Il n'y a qu'un 0, hein. Par contre, on va se calmer, évidemment. On va pas péter plus haut que notre cul, mais on fait qu'un bon match. Ce serait peut-être assez... pas mérité de ne pas gagner aujourd'hui, mais bien sûr on va devoir faire attention. Be careful, les amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, une main, super, merci l'arbitre. Ah, ils sont bons, hein. Oh, les enfoirés. Mais les enfoirés, quoi. Pipou. Fais chier, voilà. Ah, moi, je suis vénère, là. Sérieux, quoi. 74e minute de jeu. Hein, partout. Casse les couilles. Allez, il est bloqué. Aïe, rien qui passe. Y'a rien qui passe. Allez, 85e minute de jeu. Super Mouetoun. Pour Armstrong. Pour Super Mouetoun. Allez, mon petit. Là, y a pas le choix. Hein. Là, tu dois nous... Non, mais toujours plus. T'as sifflé au moins. Mais tu mets le putain de rouge, en fait. Non, mais toujours plus, l'arbitre, en fait. Mais c'est pas possible. Non, mais je suis désolé, mais merde, quoi. Putain. Excusez-moi. Mais quand même, quoi. Merde. Bon. Allez. C'est Kylian Roland, le tireur, ou quoi? Non, normalement, c'est Kenan, d'ailleurs, je crois. Pression couvre en 85. On va avoir du 74. Donc, non, on n'en a pas, hein, après, je crois. Ouais. Il n'y a que lui. Donc il va tirer le coup franc. Allez, mon petit. Là, il n'y a pas le choix. Ah, quand ça veut pas. Ça veut pas.
Et c'est la fin du match, c'est la fin du match. Il y a partout, un partout. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. C'est des prolongations ou c'est directement les tirs au but? Je ne sais pas. Hein. Pour être très honnête, je pense que c'est ouais. C'est une prolongue. C'est une prolongue. Est-ce qu'on peut faire un dernier remplacement? Ça c'est la question que je me pose. Parce que si on peut en faire un, je vais en faire un. Parce qu'on a le petit Estrada que j'aimerais bien faire rentrer. On va essayer. Non, c'était mal. On peut le faire, mais ce sera pas la place de Kylian Roland. Ce sera la place de Maxenko Olimpico, un peu fatigué. Là pourquoi pas pour le coup. Hein. Là pourquoi pas. On va faire ça. On va faire ça. Oh non, mais là, c'est hallucinant, quoi. Prolongation, quoi. Toujours plus, en fait. Là, mais là, là en fait, on va péter un câble. Hein. On va vraiment péter un câble. Hein. Et voilà, mais voilà, c'est fait. On a pété un câble. On a pété un câble, étonnoir exclu. Mais en fait, c'est vrai que c'est agaçant, parce que le carton rouge de tout à l'heure, enfin, la faute dernier défenseur de tout à l'heure, moi, je l'ai vraiment en travers de la gorge, parce que c'est Super Mouetoun. Je vous rappelle quand même que Super Mouetoun est l'un des joueurs les plus rapides de l'équipe. C'est-à-dire qu'autant vous dire que s'il n'avait pas fait chier, eh bien, il aurait marqué derrière. Allez, mon petit. Allez, mon petit Armstrong. Allez. Allez. Oh là 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 là. Mais il se passe quoi? Oh, les amis, il se passe quoi? On peut y arriver. Ah non, 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 on n'y arrivera pas. Je vous le dis, on n'y arrivera pas. D'ailleurs, il faudrait qu'on mette un défenseur ou pas. Parce que là, il nous manque un... Pff, oh non, il se démerde. Il se démerde. C'est bon, ça me saoule. Putain, c'est n'importe quoi. Vraiment, je vous le dis, je l'ai vraiment encore en train de la gorge. Hein. Et là, c'est... C'est vraiment, vraiment pas cool. Allez, bloqué. Allez, mon petit. Là, là, il a le champ libre. Allez, Lilian, bloqué. Allez, mon petit. Oh là 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 là. 2-1. La centième minute de jeu. Ce but-là, il est au mental, les amis. Pas au talent, au mental. Aïe, 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 aïe. Mais c'est entièrement mérité. Mais magnifique, hein. Lilian bloqué, superbe. Et là, il a tout mis. Il a tout mis, la patate, la puissance, etc. Il n'y a rien à dire. Là, cette fois, par contre, peut-être qu'on va remettre un défenseur. Pour le coup, parce que on va mettre Pipou, je pense. Soit Pipou, soit... Non, peut-être Nicolas. Nicolas, on sait qu'il peut jouer en charnière centrale. Du coup, on va mettre bloqué, du coup, à ce poste-là. On va faire redescendre Everton. Armstrong, pardon. Ici... Et on va mettre Super Mouetoun là, voilà, on va jouer sans attaquant, c'est pas très très grave non plus, hein. Je pense que ça peut le faire, les joueurs vont se projeter quand même. Au passage, on peut pas faire un remplacement, genre comme ça, on ne sait jamais, sur un malentendu, mais je pense pas, hein. Là c'est fini. Alors, on est d'accord. Bon, on y va, c'est parti. Oh, ya 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 ya, mais c'est... Mais qui là-bas? Mais Pipou, mais tu fous quoi, bordel? C'est pas possible, hein. Bien joué, Nicolas. Oh non, mais Pipou, sérieux, quoi. Tu restes sérieux à ce moment-là du match, quoi. Il y a au moins, je ne sais pas. Je sais que t'aimes pas trop être sérieux, mais quand même. Il y a des moments où il faut l'être, hein. Et là, c'est parti des moments où il faut l'être. C'est un match incroyable. Là, la pression du match, elle est incroyable. Allez, Pipou, voilà. Enfin. Bon, c'est important de le noter. 118e minute de jeu, première intervention intéressante de Pipou Nemoxy. Voilà, je vous le dis, allez qui a le rôle. Voilà, allez. Oh non, mais la passe. Allez, non, ça passe ça. Oh putain, j'en peux plus. J'en peux plus, c'est pas possible. Allez, bon, l'arbitre va siffler, parce que là, j'en peux plus. C'est... Vous m'avez fatigué. Allez, siffle. Siffle qu'on se qualifie là. Ah, j'en peux plus. Ah, j'en veux plus. Je suis cuit. Je suis aussi fatigué que les joueurs sur le terrain. Aïe, 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 aïe. Bon, ben on se qualifie, les amis. Et on va faire l'interview d'après-match parce que, bon, c'était pas fameux, fameux. Est-ce que c'était quoi? Je ne sais plus quel niveau c'était. J'ai même pas regardé. C'était les quarts de finale. On se qualifie donc pour les demi-finales. Et ça fait plaisir. Aux côtés donc de l'Union Berlin, de Dortmund, évidemment, et de Schalke 04. Donc ça va être plutôt intéressant. On verra bien qui on affronte en demi-finale. Ça peut être plutôt sympa. En attendant, interview d'après-match, évidemment, de moi-même. Je vous présente. Moi-même. Bon, allez. Et là, je vais vous désinguer parce que vous m'avez fait peur, quand même. Hein. Non, non. Franchement, vous avez fait un match intéressant, un beau match, en vrai. C'est juste que trop de pression, quoi. À un moment donné, je peux pas, quoi. Les erreurs, ça arrive. Non, non, après, la faute de Tonnoir, c'était une faute de... Voilà, on a pété un câble. On n'était pas bien, de toute façon, mentalement. On avait quelques soucis dans cet épisode, on va pas se mentir. Bon, j'espère quand même que la prochaine fois, on n'aura pas besoin de cette chance-là. On en a eu un petit peu quand même, parce que je pense que, voilà, même si on a eu beaucoup plus d'occasions qu'eux, je pense que, au fond, on aurait dû faire beaucoup mieux.
Mais voilà, on va donc se qualifier pour ces demi-finales de Pokal. Dortmund, toujours 2 points devant nous, ça ne change pas. On va regarder le programme du prochain épisode et pourquoi pas d'ailleurs notre adversaire. Ça sera Schalke en demi-finale, donc ça peut être intéressant parce que ça laisse présager une petite finale si on se qualifie face à Dortmund, hein, parce que Dortmund va passer, évidemment. Mais ça laisse présager quelque chose de pas mal pour la finale de Pokal. Le programme du prochain épisode, les amis, évidemment, il y aura les 8e de finale aller de cette Ligue des Champions face à l'Inter de Milan. Mais avant ça, on aura 2 matchs, évidemment, pour s'y préparer avec Leverkusen et Cologne. Voilà, ça va être un épisode plutôt intéressant. Il va falloir quand même se réveiller parce que là, franchement, vous m'avez fait un peu trop peur aujourd'hui. J'espère quand même pas avoir besoin de cette petite chance quand même qu'on a eue, même si on a dominé vraiment le match, hein, face à Francfort, mais on aurait dû mais se mettre à l'abri beaucoup plus tôt que ça. Donc c'est vraiment dommage. Mais bon, au moins, on a gagné tous nos matchs dans cet épisode et pourtant, me voilà quand même un minimum agacé, hein. Vous m'avez quand même saoulé, mais bon, c'est quand même déjà pas mal. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a encore fait kiffer, même si vous m'avez saoulé, vous le savez très bien que c'est l'objectif. Vous me saoulez à chaque fois, mais c'est ce qui me fait kiffer. Merci beaucoup, gros cœur sur les amis, prenez soin de vous, c'est plus important, c'était RMI. Bisous.